Mardi 3 mai s'est tenu le forum Job d'été à la salle Bochette du lycée Poléro. Notre vice-présidente Sophie Vernet de la communauté de communes Cœur de Maurienne peut être satisfaite car tout au long de la journée, pas moins de 250 étudiants et étudiantes sont venus consulter les différentes offres d'emploi affichées sur le panneau d'exposition. Oui, c'est une action qui me semble très importante et qui est coordonnée effectivement par la communauté de communes. Et je pense que c'est véritablement notre devoir de faire ce type d'action-là. Et c'est vraiment très positif pour les jeunes parce que ça leur permet souvent d'accéder à leur premier emploi. Là, ils ont de véritables offres d'emploi. Et puis souvent aussi, ça leur donne des idées. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très positif. Alors effectivement, il y a plusieurs partenaires. Il y a le PIGE de Modane, le PIGE évidemment de l'Espace Jeune, de Cœur de Maurienne, et puis la mission locale jeune, et puis d'autres partenaires aussi qui sont là et qui font un gros travail. En tous les cas, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus aujourd'hui et on est vraiment contents. Pas de critères particuliers pour postuler à un job d'été. Ils doivent avoir évidemment entre 16 et 18 ans, ça ce sont les critères primordiaux. Après, les offres là sont véritablement multiples, il y en a sur des stations, il y en a quelques-unes en mairie, donc voilà, les critères, évidemment, il faut être quand même motivé, ça c'est le premier des critères on va dire. De nombreux stands de formation et d'information sont mis à disposition pour enseigner les jeunes demandeurs de job d'été. Séjour linguistique, formation BAFA, service civique, Pôle emploi et aussi des conseils de relooking pour se présenter à des entretiens d'embauche. Ils sont bien entendu indispensables. C'est important aussi ne pas venir complètement mal habillé ou en tous les cas être présentable au moins et avoir un langage correct aussi. Leur expliquer comment faire un CV aussi, ça ce sont des choses qui fonctionnent aussi. Par le biais aussi de l'espace jeune, on essaye d'expliquer un petit peu comment il faut au mieux présenter les choses parce que c'est vrai que trouver un emploi aujourd'hui c'est long, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'offres pour, il y a beaucoup de personnes qui se présentent pour peu d'offres, donc pour eux c'est vrai que plus le CV est bien établi avec le moins de fautes d'orthographe possible, avec une présentation claire et nette, mieux ça vaut.